Bonjour, bienvenue à cette vidéo consacrée au contenu de la boîte de la Square One. Donc l'idée c'est de vous présenter ce que vous allez recevoir lorsque vous aurez la Square One entre les mains à partir de Noël de 2021. Donc la boîte que vous voyez en face de vous n'est pas la boîte définitive en termes d'habillage, c'est-à-dire que on n'a pas encore terminé le packaging graphique. Par contre, tout son contenu, ça devrait être ce que vous allez recevoir l'année prochaine. Donc, ce que je vous présente là, c'est le contenu de la boîte de la Dice Edition, qui est donc le contenu le plus complet. Sachant que la boîte de la Standard Edition sera similaire, mais avec un contenu moindre. Donc, lorsqu'on enlève la partie, le couvercle, on va trouver donc la Square One en elle-même, qui est disposée ici. Sur la gauche, les 5 dés qui sont fournis avec la Dice Edition et les 4 Squeeples qui seront fournis dans toutes les éditions. Donc, en dessous de la console, on va trouver un élément qui ressemble un petit peu à une pochette vinyle. Et dans cet élément-là, on va trouver le contour de la piste de dés. Donc, cet élément-là, ça va venir autour de la piste de dés. Il suffira de la plugger comme ça autour et ça permettra d'éviter que les dés sortent lorsqu'on jette les dés dans la piste, tout simplement. Cette piste de dés, d'ailleurs, elle est disposée ici. Donc vous voyez, c'est un emplacement dédié pour la piste de dés, qui est donc la piste de dés optique. Vous trouvez également ici le jeu de cartes standard de la Square One. Donc ce jeu de cartes servira principalement à jouer au jeu gratuit fourni avec la Square One, mais aussi à tout un tas d'autres jeux qui pourraient avoir l'utilité d'un jeu de 52 cartes et de 4 couleurs. Voilà, tout simplement. C'est également dans ce jeu-là que vous allez trouver les fameuses cartes dés qui permettront de jouer avec la console même si vous n'avez pas de piste de dés. Dans cette boîte-ci, vous allez trouver l'alimentation. Voilà. Donc l'alimentation peut être différente en fonction de la région où vous vous trouvez, puisqu'on fournira les alimentations adaptées, bien entendu. Et enfin, vous avez un dernier emplacement ici qui contiendra un élément de jeu qui n'a pas encore été dévoilé. Mais quand il sera dévoilé, je suis sûr que vous comprendrez tout à fait qu'il rentrera ici. Ce que je vous propose maintenant, vu qu'on a ouvert la boîte, simplement de brancher la Square One pour vous montrer que ça se fait assez facilement finalement. Donc la Square One, hop, je vais la mettre voilà, devant nous. Je vais donc brancher l'alimentation. Je branche l'alimentation. Je viens brancher l'alimentation dessous. Hop. Donc la Square One démarre automatiquement lorsqu'on a plugué l'alimentation. Donc voilà, on a un petit screen de démarrage. Et ensuite, on va arriver sur le système. Voilà. Ensuite, on va arriver sur le système d'exploitation. Là, ce que vous voyez actuellement, ce n'est pas le système d'exploitation définitif. Pour l'instant, il est à titre de démonstration. Mais il comprend quand même des éléments qu'on souhaiterait reprendre au final. Par contre, il va me permettre de vous expliquer quelque chose. Donc, on va trouver les jeux qui ont été déjà achetés. Et ensuite, on va trouver différents éléments. On va notamment trouver la gestion des amis, de sa communauté, le partage d'éléments, par exemple. On va également avoir un accès directement ici au store, qui permettra d'acheter des éléments, des jeux, ou des éléments de jeu, directement depuis la console. Ensuite, on a le paramétrage, bien sûr, de la console et les trophées, ainsi que les statistiques de jeu qui pourraient être disponibles.
Donc là, pardon, on va lancer Chromacy. Je vais prendre les pions. C'est juste pour vous montrer, je ne vais pas aller au bout de la partie. Et comme ça vous permettra de comprendre qu'en quelques minutes, une fois que vous recevrez la console, vous pourrez jouer directement à la console. Voilà. Eh ben, j'espère que cette vidéo vous aura été utile à bien comprendre le contenu que vous recevrez lorsque vous aurez entre les mains la Square One. Et je vous dis à bientôt et bon jeu!